L'Union patronale des Bouches-du-Rhône a organisé hier soir un casting d'un nouveau genre, The Choice, le choix. Des jeunes porteurs de projets, d'entreprises ou d'innovations présélectionnés devaient se trouver un coach, un entrepreneur senior. Je te veux dans mon équipe, cela vous rappelle sûrement une célèbre émission, mais à Marseille, on inverse les rôles. Jean-Manuel Bertrand, Pierre-Jean Perrin. Marie-Thérèse est directrice de marketing. Comme une centaine de chefs d'entreprise, elle doit convaincre un parterre de jeunes en moins de 30 secondes. Je suis ravie de vous voir. Je pense que vous avez déjà fait 80% de ce qu'on demande à un entrepreneur. Vous avez décidé vous-même ce que vous pouvez faire pour vous. Vous n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. C'est un challenge, c'est un jeu, mais il n'y a pas de chaise tournante, ni de chaise musicale. The Choice est un speed dating. Les entrepreneurs deviennent des coachs et les jeunes qui veulent monter leur boîte vont les noter comme dans une émission. Nous, on est les coachs, on va les accompagner, on va aider ces jeunes à monter leur projet. Oui, l'idée pour nous, c'est de venir participer à un challenge que nous apportent ces jeunes. Le jury est composé d'une centaine de jeunes qui doivent donc choisir leur mentor. Il me faudrait vraiment quelqu'un qui soit dans la relation du public, un impact sur le public. C'est à ces personnes-là que je m'adresse. C'est super intéressant pour des gens qui finissent une scolarité ou même qui sont déscolarisés. Ça permet vraiment de se reconnecter à un monde du travail qui est souvent déconnecté de nos études. Ils doivent aussi poster une vidéo pour faire de leur projet une entreprise. The Choice pourrait nous apporter un accompagnement pour le développement de notre projet qu'on aimerait lancer cet été. Viens, on va le chercher. Un casting qui leur permet surtout d'être accompagnés, car souvent, ces jeunes n'ont pas de réseau. Ça va. Pourquoi vous avez choisi Marie-Thérèse? Parce que déjà, je choisis pratiquement que des femmes, parce que je suis plus à l'aise avec les femmes. Sur une centaine de projets, 10 seront sélectionnés avant la finale, qui sera organisée au mois de septembre.